La voiture électrique fait de plus en plus son chemin. Petit à petit, des constructeurs règlent les questions d'autonomie, de puissance et, disons-le, de design. Reste que le problème principal de ce type de voiture, c'est son chargement, qui demande toujours du temps et surtout une infrastructure. Principal frein avec le coût de ces véhicules à leur développement. Avec son invention appelée Ubitricity, une start-up allemande propose de régler en partie ce problème. Son idée, des prises disponibles sur les lampadaires des villes. 4 lampadaires sont actuellement en test à Berlin. Un projet pilote en coopération avec des fournisseurs d'électricité, surtout des câbles de charge spéciaux dotés d'autorisation de connexion au réseau électrique. Le principal problème, c'est que les voitures électriques ne restent pas toujours à la même place, mais vont dans des lieux différents et ont besoin d'y être rechargées. Et quand elles doivent être chargées, quelle que soit leur place de parking, il faut que des prix soient disponibles. Mais il n'y a pas de sens à mettre en place partout des systèmes de paiement onéreux avec des technologies de communication et d'autorisation, qu'il y ait des voitures ou non. C'est la raison pour laquelle, avec notre système, il suffit d'emporter avec soi sa technologie pour pouvoir charger sa voiture où que l'on soit, parce que le compteur est intégré au câble lui-même. Le prix d'un tel site de recharge serait fixé entre 300 et 500 euros. On est loin des 10 000 euros normalement nécessaires à la construction des stations de recharge que l'on peut voir actuellement. Et les lampadaires ne sont qu'une idée, les parkings classiques et lieux de travail pourraient tout aussi bien faire l'affaire.